Et bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro. Je suis Jay, je serai votre hôte ce soir, comme tous les vendredis. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes bien, et que vous êtes bien installé et bien reposé, que vous avez votre bol de Chocapic, votre boisson préférée et que vous êtes prêt pour passer une soirée rétro-suggestion. On va jouer ce soir sur la magnifique Mega Pie que j'ai ici dans ma main, voilà, elle tient dans ma main. Magnifique, Mega Drive Mini de la console rétro. Je rappelle que si cette console vous intéresse, vous pouvez l'acquérir sur la console rétro, la-console-rétro.fr, et que vous pouvez utiliser le code promo J10JY10, magnifique code promo qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre commande, et ça c'est magnifique. Comment vous allez tous? Le son fonctionne, nous dit Mighty Mike. Oui, parfait, tant mieux, si tout fonctionne, c'est nickel. Bienvenue à tous, salut Nico, salut Seb, salut Mighty Mike, salut tout le monde. Posez-vous tranquillement, si vous avez des jeux à me suggérer, sachez que toute la soirée, donc jusqu'à 21h30, hein, après on a tous des choses très importantes à faire. On va pouvoir s'éclater sur la console rétro. Attention, transition magique. Paf, et voilà. Donc, voilà la magnifique console que vous connaissez déjà par cœur. J'ai ma carte d'acquisition qui a décidé de, voilà, de me faire des farces. Alors, ça va pas falloir faire ça quand on sera sur, sur Metal Slug. Hein. Attention. J'essaie de voir si... voilà. Je veux pas avoir les mêmes blagues. Petit Crash Bandicoot après le Metal Slug. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Le Metal Slug, toujours la même... Salut Jérôme, la détente commence, voilà. Prenez votre petite bière si vous êtes majeur. Installez-vous tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait? Le Crash Bandicoot d'abord ou le Metal Slug? Et merci Jérôme pour le like. Alors par contre les sons sont tous ultra forts chez moi. Normalement c'est bon chez vous. Je vois qu'au niveau du son c'est tranquille. Donc normalement ça devrait faire. Hop là, je vais baisser un peu le son chez moi. Voilà. Déjà fait. Comment ça déjà fait? T'as déjà fait le Crash Bandicoot? Ah, dans la bière. Ah, m'étonne pas de toi, Seb. Alors, petit Metal Slug. La vengeance du Metal Slug. Il faut un jour, j'y arriverai. Un jour, je serai le meilleur joueur à Metal Slug sans répit. Du coup, je vais vous donner envie de jouer à Pokémon. Plus de tel car chargeur cassé, tristesse infinie. Ah mince! Comment tu as fait si peut-être sur l'ordinateur. Si tu branches avec ton câble sur l'ordinateur, tu vas peut-être pouvoir recharger le tel. Alors, les affaires sérieuses commencent, donc je vais m'attacher les cheveux. Ah ouais, puis en plus, j'ai. Merci Mikey Mike pour le like. Metal Slug. Alors, je vois que ça va pas du tout là. Ma carte d'acquisition, elle me fait encore des blagues. J'ai des coupures de. J'ai des coupures d'image. Je pense que j'ai trop abîmé mon câble. Je pense que c'est ça. Vous avez l'image, vous êtes prioritaire sur moi. Ce qui est bien pour vous, mais ce qui est pas bien pour moi, parce que moi je joue dans des conditions du coup dégueulasses. Mais on peut y arriver. Attention, c'est parti. Le crédit, un seul et unique crédit. Je rappelle l'objectif. Terminer le jeu dans l'intégralité avec un seul et unique crédit. Et un jour, j'y arriverai. Un jour j'aurai ma vengeance sur ce jeu qui m'a ruiné mon enfance, mon adolescence et ma vie parentale. C'est bon. Alors je sais plus qui me disait ça le dernier coup. Quelqu'un mourait au premier hélicoptère en me disant c'est trop dur pour moi, je meurs au premier hélicoptère. Mais en vrai, le premier hélicoptère il est pas si dur que ça. Petite technique, vous visez la queue. Comme ça, normalement ça devrait aller. Enfin, ça sert deux coins, enfin, un canard. Exactement, le fameux coin. Mais c'est mon objectif, c'est pas de faire le coin-coin. Voilà. Donc lui, ou sur le nez, hein, ça marche aussi sur le nez. On peut utiliser la queue ou le nez, mais... Voilà. L'objectif, c'est ça. C'est ça, tranquille. On est posé. Mais bon.
normalement, les deux premières missions, ça va. C'est à partir de la mission 3 que je commence à faire n'importe quoi. Voilà, le premier, je me fais des, je me fais un petit plaisir, je chauffe tout le monde. Et voilà. Mais encore une fois, première mission, la première mission, il y a pas de problème. La première mission, c'est pas le truc le plus dangereux. C'est dès que je commence à jouer dans la falaise avec la neige, là, ça se passe plus bien. Comme les poils. C'est cadeau, c'est pour vous. Oh mince, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Alors je vais vérifier un truc quand même. Ça n'a aucun sens. Les points vite. Voilà. Bah alors, j'ai pas eu le deuxième. Intéressant. Ça, je crois qu'il y a un moyen de le tuer plus rapidement. Mais je sais pas comment faire. Vu que j'ai absolument pas triché. Vu que je fais que avec mes techniques à moi. J'ai pas regardé. Peut-être que je devrais regarder un speedrun pour savoir comment faire. Sous-titrage du stream, ça sort des phrases épiques. Ah, vous avez le sous-titrage de stream, incroyable. Je savais même pas qu'on pouvait l'activer. C'est stylé ça du coup. Attends, comment on peut faire si je fais c'est comment c'est sous-titré ça? C'est cadeau. Voilà, je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Du coup, ça a donné quoi alors? Est-ce que quelqu'un peut faire un screenshot ou un copier-coller du sous-titrage? J'espère qu'on rigole. Oh, j'ai failli faire une bêtise là. J'ai mis 9 coups quand même, ça va pas. Bon voilà, je fais les points de toute façon. Sur deux, encore une fois, pas trop de problèmes. Y'a que le boss, à la limite, on peut peut-être essayer d'optimiser 2-3 trucs. Genre, si j'ai un pattern sympa. Un pattern génial. Un pattern génial, mais ça s'est bien passé. Ça va. J'ai jamais capté que les gros tanks ils étaient sur rail. Ah ouais? Mais attends, ça fait combien de fois qu'on fait cette mission 2 ensemble en plus? Enfin, c'est pas grave hein. C'est comme ouais, je sais pas si vous aurez l'arrêt. Pas grave, je vais pas le faire. On va pas prendre le risque. Thank you. La di da di, la di da di, la di da di, la di da di.
Ouais, c'est pour ça que j'essaie de rester concentré. C'est la fameuse mission où je fais n'importe. J'essaie de rester un poil concentré. Pour pas faire n'importe quoi. Oh là là! Non! Pourquoi? Pourquoi j'ai sauté? Ah, oh, ça va être dur! J'ai plus de grenade! Ah, c'est bon! Pourquoi j'ai sauté? Je perds tellement de points en mourant là! Aïe 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 aïe! Quel échec! Nouvelle arme, genre les boules. Quoi? C'est pas autorisé par la Convention de Genève? Les boules de. Les boules de neige, on n'a pas le droit? Comment ça? Comment ça se fait? Depuis quand? Je vais me battre à la boule de neige quand même. Merci Ariane pour ton like. Ariane Rimbaud, bienvenue. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. T'as passé une agréable semaine. Pose-toi tranquillement. On est en train de jouer à Metal Slug. C'est le jeu du. Exactement. D'accord, je comprends mieux la blague sur la neige. C'est-à-dire qu'il me crache dessus, c'est ça? La di la di la di la di la di la di. Je l'ai joué un peu bourrin là. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Que ça va passer du coup. Parce que là je l'ai peut-être joué un peu bourrin. Lui. Ça passe. Bon, on a perdu une vie quand même. Hein. Ça va pas. Je m'en serais bien passé. Bon là je vais à la speedrun celle-là. Je vais pas la faire. On va essayer de jouer correctement. J'ai failli prendre le dégât quand même. Ça passe. J'ai vraiment cru que ça allait pas passer, mais c'est bon. Speedrun on a dit hein. Je fais pas tous les otages. J'ai pas le temps. Oh là là le dégât. Ah le dégât, le dégât. Tu joues vraiment comme un pourri. Ok, c'est bon.
Ça va le faire. Aïe aïe aïe, je vais essayer de sauver encore des otages, mais. C'est des merdes les otages. Bah, sur ce niveau là, ouais. Tant pis, je préfère largement essayer de terminer plutôt que de risquer ma vie et de faire des points. Et la mission 5, alors la mission 5, je la ferais bien en speedrun aussi, mais c'est trop dangereux. Et je crois que sur celle là, le mieux à faire. Je crois qu'on avait déjà testé, mais je me souviens plus déjà ce que je vais faire, peut-être. Le mieux à faire, ce serait peut-être de faire une. Type safe state pour pouvoir faire de l'entraînement. Ça sera pour plus tard. L'entraînement, ça sera pour plus tard. D'abord, on va essayer de jouer normalement. Je prends mon temps. Voilà. Rocket launcher. Ouah, c'est trop dangereux! Bordel, je l'ai vu trop tard! J'aurais jamais dû mourir là. Et je peux pas le sauver lui. Si, peut-être. Et non, je peux même pas le sauver. Dégoûté. Dégoûté. J'ai vraiment pas bien joué cette mission. Du coup, je suis triste. Oh là là, mais je fais n'importe en plus. Je suis en train de regarder le chat au lieu de regarder les avions. Mais pourquoi? Je comprends pas. Attendez, c'est quoi? Je peux faire l'hélicoptère ou je peux faire que le barrage? Je peux faire les deux. Mais le plus efficace normalement c'est censé être le barrage. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'aurais jamais dû perdre là. Oh là là, et je perds le Metal Slug. Game over. Ah, c'était trop compliqué là. C'est le meilleur. Bah non, regarde, je suis mort mission 5. J'ai perdu 2 vies sur cette mission. Alors que je devrais pas. Normalement. Juste. Ah, j'ai juste retriché. Attendez, je mets mon blaze quand même. On estampille le record, hein. Il faut quand même valider un record. Et je triche. Pourquoi je fais ça? C'est pour voir si je pouvais le jouer mieux. Pour l'entraînement. Parce que j'ai fait n'importe quoi, je pense. Je pense que j'aurais dû le jouer largement mieux normalement. Avec de la concentration, normalement ça passait. Hein. Et j'ai fait n'importe quoi. Donc, Oh là là, je peux pas faire de. J'essaie de faire un dash, mais non. Pourquoi je meurs là? Je devrais pas mourir là. Y a aucune raison de mourir à cet endroit là. Ok, bon bah non, je pouvais pas faire mieux. J'ai même fait pire que tout à l'heure. Très bien, au moins on sait maintenant. Donc ça, vraiment, va falloir faire de l'entraînement sur la mission 5, ça va pas. C'est pas possible, c'est pas tolérable. C'est intolérable! Alors, on avait dit Crash Bandicoot. Bien sûr. Crash Bandicoot, il est sur. Il est sur la PlayStation, toujours sur la même console. Parce que oui, tout est intégré.
Bazooka en moto, c'est dangereux. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est lui qui est en moto. Moi, je devrais pouvoir éviter, hein, normalement. Je sais pas comment je fais mon compte pour foirer autant. Ça, c'est un vrai souvenir d'enfance aussi, hein. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, le premier sur PlayStation, vraiment le. On peut dire que c'est la mascotte un peu de la PlayStation, qui a vraiment porté la PlayStation. Ça a aidé à vendre la console qui était déjà incroyable, mais. Si on prend en compte Battle Arena Toshinden qui est sorti avec, et Wipeout, quand Crash Bandicoot est sorti, avec Tekken, hein, bien évidemment, ça a vraiment. C'est ça qui a propulsé la console, quoi. Parce que Wipeout et Toshinden, c'était très bien, mais c'était pas suffisant, quoi. Donc. Tellement je l'ai saigné, le disque a pas survécu. Les disques étaient noirs en plus, ils étaient tout noirs sur l'arrière du disque. Ils étaient ultra stylés. Il y avait un charisme dans ce format. Alors, c'est moi qui joue. Que je me souvienne, parce que ça fait longtemps. On n'a pas fait un petit Crash Bandicoot. Il y a un truc avec des caisses. Il y a un truc avec des caisses, il me semble. Il faut casser toutes les caisses. Parce que ça fait des points. Et merci mon petit Seb. Merci pour ton like. Ça y est, t'es posé, t'as pris ta deuxième bière. Je vais essayer de pas me jeter dans le vide. Merci pour le partage, voilà. Ça, c'est quelqu'un de très malin. Quelqu'un qui partage le live, c'est quelqu'un qui fait grandir la communauté et tout ça gratuitement. Et ça, c'est beau. C'est très gentil. Merci beaucoup. La fameuse caméra de la PlayStation. La caméra, en vrai, sur ce jeu-là, la caméra, ça va. Parce que le jeu, il a un gameplay qui est quand même globalement 2D. Donc la caméra, elle est pas très gênante sur ce jeu-là. Il y a des jeux où la caméra, elle est vraiment, vraiment mal pensée. Mario, ils ont réussi à faire une caméra qui est pas trop horrible. Même si franchement, il y a plein de moments où c'est bien relou. Mais le passage à la 3D, ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Alors oui, on est invincible, donc il faut speedrun. Gotta go fast, gotta go fast. Gauche. Ah ouais, non, alors attendez. Aïe, je me souviens. À droite, je vais faire une petite sauvegarde quand même. À droite, il y a ce passage-là, que j'appelle le passage du pénitent. Où il faut en fait. Voilà. Donc, pas ça. Le pénitent. Le pénitent le passe. Le saut depuis la tête du lion. Hop. Où il faut sauter sur les différentes caisses sans tomber dans le vide. Parce qu'il faut faire un 100%. Je crois que j'ai raté une caisse. J'avais raté une caisse. J'ai encore raté une caisse. Je vais le faire. Je vais y arriver. Je vais tricher, mais je vais y arriver. Quoi? Abusé. Salut Mums, comment ça va? La forme? Et je suis pas resté tout droit. Ce qui m'est arrivé. Je panique sur la fin. Je sais pas pourquoi. Alors que je gère le début, mais j'en ai foiré rien. J'en ai foiré plein. J'en fais un sur deux sinon. Non, faut vraiment les faire tous. Hein. Dès que j'en loupe un, c'est mort. Recommencer. J'ai paniqué. Il en reste un. LOL.
je vais y arriver. Je vous jure que c'est vrai. Pourquoi ça serait pas faisable? Vous avez dit que j'allais y arriver. Vous vouliez pas me croire. Et là, il y a des caisses normalement. Je crois qu'il y en a que deux. Je crois qu'il y a ces deux-là, il y a que ces deux-là à récupérer. Et là maintenant, 100%. J'ai fait toutes les caisses là. Merci Serge pour le like, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien, pose-toi tranquillement et interagis avec nous. Ta-da-ta ! Il a dit, j'ai fait la gemme. J'aime fort. Alors crash, oui, overwrite, bien sûr. On a une meilleure sauvegarde. Le pénitent l'a passé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue sur Crash Bandicoot ou est-ce que vous voulez suggérer un autre jeu? Moi-même, je sais déjà. Tu vas me dire Donkey Kong. Je le connais par cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que... Ah ouais, alors oui, faut que je vous dise ça. Je vis dans votre futur. Je vis 6 secondes dans votre futur. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, pour moi, c'était il y a 6 secondes. Donc... Je vous accorde un peu plus de temps pour pouvoir réguler le convecteur temporel. Voilà. En espérant que les messages passent aussi, parce que ça c'est quelque chose qui peut poser problème. On fait quoi? Crash Bandicoot. On retente un Metal Slug. J'ai pas attendu votre réponse. Tant pis. Sinon je fais un Sonic. Hein. Un Sonic Spinball. Juste pour vous énerver. Alors ouais, faut que je fasse attention à ça aussi. Parce que du coup comme il y a des caisses à faire, il faut faire aussi des caisses de TNT, de Dynamite. Ça compte. Voilà. Le boule baga. Très bien. Alors faut que je fasse gaffe. Faut que je vois les caisses. Est-ce que j'ai fait toutes les caisses? C'est important de faire toutes les caisses. Je vais peut-être mourir. Aïe! Ça pique. Je me suis fait toucher du coup. J'ai mal géré le saut. Ça va. Oh non! Je voulais pas faire ça. Je voulais pas aller dans le menu bonus. Ah, cela dit, il faut que je fasse. Il y a les caisses. Les caisses alors. Et plus de vie. Je continue de tricher, hein. Y a aucune raison que je triche pas. Voilà. Le pénitent. Bien sûr, le pénitent. Voilà, je fais la sauvegarde. Comme ça, je continue de tricher. Un petit Flink. C'est quoi? C'est Mega Drive, je crois, Flink. Tu me confirmes, Seb? C'est bien ça? Oh, j'ai failli mourir écrabouillé. Oh là là! Me fait croquer! Oui, d'accord. Alors, je me souviens plus, c'est quoi? C'est. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de tricher du coup. Je me souviens plus, c'est pas. C'est un petit magicien, non? Je me souviens plus exactement ce qu'il faut faire dans Flink. On va regarder. On va faire ça. Elle est plus grande que lui, sa meuf, c'est le MILF. Ah. Ça
C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est sa grande sœur, je crois. Aurais-tu un certain complexe? Je sais pas. Je sais pas si c'est sa meuf. C'est pas la taille qui fait la mille. Hein. Quoi? À quel moment? Attendez, non, je suis pas d'accord. Où est-ce que j'ai raté 3 box? Comment ça? Où ça, il y a 3 box que j'ai raté? Oh là là. Je me suis fait aplatir. Mais non. Mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là. En plus je le vois pas donc Et puis Crash Bandicoot versus Mario et Clash Nintendo. Ah je m'en souviens pas non. Pourquoi il y avait quoi? Il disait que au lieu d'avoir un plombier moustachu qui va dans des égouts, tu te bats avec un Bandicoot ultra survitaminé. Non, rien à voir. Non, j'en sais rien. Et la TNT, je l'ai fait la TNT déjà. Elles sont où mes trois boîtes que j'ai foirées? C'est pas possible. Ça m'ennuie. J'ai pas envie de chercher. Ou alors c'est caché derrière un truc. C'était peut-être au début du niveau. Ça va pas, hein. Y a un souci là. Hein. Où est-ce que j'ai raté les... Où est-ce que j'ai raté les 3 boîtes? C'est quand je me suis retrouvé dans le menu... dans le passage secret, hein, dans le menu bonus. Le stage bonus, non? Très bizarre. Alors, tu m'avais dit Flink, Mega Drive. Alors la Mega Drive, je l'ai vue. Et TBL. Mega Drive, c'est là. Donc Flink. Sonic avec un motard punk, oui, ça par contre, oui. Avec Sega Master. Je sais plus comment il s'appelait, mais. Sega, c'est plus fort que toi. Flink, voilà. Le petit magicien. C'est Ipar. Car je connais. Bah oui, bien sûr, il y avait ça. Les pubs, là, on peut retrouver. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait des archives. À part Lina, hein, j'entends. Je veux dire, je crois que sur YouTube, on peut les retrouver. Alors, faut sauter sur les casques des Vikings. D'accord. J'ai pas souvenir d'avoir déjà joué à ce jeu. Je peux changer la langue. Je vais mettre en français si on veut. Et les contrôles alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton action, un bouton sauter et un bouton sort. Ok. On saute comme ça, on fait action avec ça, d'accord. C'est parti. Début. Je connais pas ce jeu. Bah moi non plus. Du coup là c'est une découverte, c'est l'enfance de Seb là. C'est lui qui nous a suggéré ce jeu. Je rappelle, vous pouvez tous suggérer des jeux. Hein. Et, ce n'est pas exclusif à Seb. En fait on est décédé. Notre personnage vole. Alors j'ai un bouton de saut et un bouton d'action qui fait que dalle. Si je saute sur lui, voilà, je peux faire une action pour le récupérer et le jeter sur lui. Je suis mort, d'accord. J'ai pas. Et qu'est-ce qui m'a tué? Qu'est-ce qui m'a tué? D'accord, donc du coup j'ai fait un reset. Attendez, je me suis fait tuer par quoi exactement là? Ça se trouve, j'ai pas le droit de les attraper les bonhommes encore. Je connais pas ce jeu mais il a l'air beau, effectivement. Magnifique.
J'ai fait ça, j'ai attrapé lui, je l'ai balancé sur lui, et après je suis mort. Mais là je suis vivant. Pourquoi? On saura jamais. Je peux pas m'accrocher au... D'accord. Je vais essayer de m'accrocher aux plateformes, mais apparemment c'est pas légal. La plume. La plume elle fait rien. Aïe! D'accord, là je peux comprendre pourquoi je meurs. C'est pas facile, hein. Merci Anthony Meyer pour ton like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. T'as passé une bonne semaine. Je me jette dans le vide. Bon, ouais, c'est ma faute, j'ai compris. Je me suis jeté dans le vide, c'est compréhensible. Ah, les contrôles, ils sont pas sympas, hein. Vraiment. J'ai aucun moyen de courir. Hein. Parce que le plus bonhomme qui avance à 2 à l'heure, ça me... Aïe. Ça, je peux ramasser ou pas? Non. Seb, toi qui connais très bien ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est dur comme jeu. Ah, je vois, je constate. Les contrôles me disent que. Voilà. Les contrôles me disent que ça va pas du tout me pardonner. Hein. Voilà. Ça je peux pas l'attraper parce que du coup il aurait fallu sauter sur le viking. Il va faire demi-tour ou pas? Non. Tant pis pour le coffre. En fait il avance à 2 à l'heure mais il fait des bonds géants. Y'a un alien! Qu'est-ce qui s'est passé? Wouah! Il essaie de me cramer! Bam! Bam! Est-ce que je peux en ramasser un pour le jeter quelque part? Genre là. Je me suis fait toucher, en fait. J'ai pris un dégât là. Ça doit marcher comme les anneaux en fait. Ok, j'ai gagné une vie. Bon, on va faire un petit Lost Vikings. Ah, Lost Vikings, ouais. Du coup, ça fait énormément pour ça, ça. Sur Super Nintendo, ça marche. On récupère les coffres. Attends. Pour récupérer les coffres, pour faire des potions, exemple plume, etc. D'accord. Et là, ça c'est la mort ou pas? J'ai gagné ou je suis mort? Je crois que j'ai gagné. Apparemment j'ai gagné. Marvel sur Sega Mega Drive. Il s'appelle juste Marvel le jeu? Ou c'est Marvel quelque chose? Pourquoi je peux pas ramasser ça? Pourquoi je peux pas ramasser cet objet? D'accord, j'ai compris comment on s'accroche aux lianes. Ah, attendez, mais parce que ça me paraît bizarre ça. Information. Utilisez le bouton action pour s'accrocher aux lianes. Appuyez sur vous, bah voilà, c'était ça donc effectivement, mais j'avais compris du coup. Mais pas longtemps. Les contrôles sont vraiment vraiment pas sympas. Hein. C'est bien ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire à ce pauvre animal? Je m'accroche à sa queue. Je suis horrible comme personnage. Je pense que j'ai compris ce qu'il faut faire.
que je peux le lancer de l'autre côté? Oui. Faire ça comme ça du coup. Voilà. Je gère. J'ai géré. Tout va bien. Il y a un vieux qui te court après, exactement. Il se retourne et mange l'esprit mal. Non, 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 il est très inquiétant comme personnage. Je suis obligé de faire un saut dans le vide là, vraiment. Peut-être un tour de magie, non? Pas plus. Bah, je vais sauter dans le vide. Adieu. Ça va. Faut être concentré, hein, vraiment. Parce que ça rigole pas du tout. La difficulté, elle est pas mal, hein. Ça, je peux rien lui faire, d'accord. Aïe. Ma vie! Information. Je fais quoi? Il y a un anneau, il faut forcément que je fasse un truc avec ça. Information. Vous avez la possibilité de glisser de 45 degrés des collines en appuyant sur bas. D'accord. Ça fait mal aux ennemis. Très bien. On va essayer ça alors. Mais du coup, bah, j'ai fini le niveau, donc ce sera une autre fois. Tu ramasses des glaces, vous pouvez voler, c'est tout ce que je... Il y a Marvel dans le titre. Il ramasse des glaces et il peut voler. Silver Surfer, peut-être. Je vais faire une sauvegarde là. On va passer sur Lost Vikings quand même pour voir un petit peu d'autres trucs. Et après, je vais regarder Marvel. Je vais chercher Marvel. Tu me disais c'était sur Mega Drive. Attends, je vais même regarder maintenant. Voir ce que j'ai en Marvel. Marvel Land. Ça. Tell me this adventure. Il y a des glaces. Il peut voler. Ça doit être ça. Ça a l'air de coller. Tu me dis, tu me confirmes si c'est ça ou pas. Hein. En attendant, oh, j'ai vu un truc, il faut que je le fasse. C'est horrible, mais c'est ça, d'accord. On va mettre ça. En attendant, bah attends, je vais peut-être rester. Non, vous m'aviez dit sur Super Nintendo. Je vais passer sur Super Nintendo. On va mettre Lost Vikings. Il est dans l'été. Abusé. Je pense qu'il est dans l'été, il doit s'appeler The Lost Vikings. Il est là, non? Il est là. The Lost Vikings. Voilà. Juste après, on fait Tell Me This Adventure. Ça me fait penser à un autre truc aussi, à Tell Me This Adventure, c'est un jeu qui s'appelait El Viento. Bah alors? Je n'ai pas d'image. Nous n'avons pas d'image. Alors je vais redémarrer. Je vais redémarrer. Ça, vous allez voir le magnifique écran de lancement de la console. Le jeu, faut contrôler trois persos, exactement. C'est exactement ça. Fallait contrôler trois persos en même temps. Ils ont chacun une capacité particulière. C'est comme dans Goblins. Je sais pas si vous avez connu ça, Goblins. Dans le premier Goblins, vous contrôliez trois personnages. Pareil, chacun avec une capacité particulière. Et c'est ça qui permettait de débloquer des situations. Je crois pas qu'il soit sorti sur console, il était sur PC. Faudrait voir. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Goblins est sorti sur console? Tu connais Goblins, ça te parle, hein, Seb? Avec 3i. Beep.
Pipi bip 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 Super Nintendo. Et donc on est reparti pour l'été The Lost Vikings. J'ai été trop long. Il est là. C'est y part. Voilà. Est-ce que toi, t'as Killer Instinct sur Nintendo 64? Je l'ai sur Super Nintendo, mais pas la 64. On va regarder. Goblin, tu parles de notre ancien président, condamné. Je parle pas de ça. Je parle d'un jeu qui s'appelait Goblin. Goblins. Alors, les bros des Lost Vikings, les frères d'armes, moi et Eric. Alors oui, non, je vais pas faire toute la traduction, on va directement faire le jeu. T'es que sur PC. Ah bon? Alors, on a le bouton de saut qui est là. On a ce bouton-là qui fait absolument rien. Celui-là qui fait que dalle. Et celui-là qui fait que dalle. Quand j'appuie sur A, donc A, j'imagine que c'est le saut, non? Non, c'est ça, d'accord. Donc c'est B en fait. C'est rond, plus exactement. Alors oui, ça je me souviens. Donc il faut utiliser en fait autre chose. Voilà, on peut faire le. Il faut que tout le monde aille à la sortie. Voilà. Lui, sa technique à lui, c'est d'avoir un bouclier. Et la technique de notre dernier pote, c'est que lui, il a un arc et. Paf! Et une épée. Voilà. C'est gagné. Voilà. Voilà le principe du jeu. Ça, c'est le niveau tutoriel. Voilà, et là, on nous donne des indices. On nous donne un mot de passe. D'accord. Lui, c'est un pote ou c'est un méchant? Faut détruire l'ordinateur. D'accord. Donc il faut qu'on trouve des bombes pour détruire un ordinateur. Pas avec lui. Lui il a pas trop de capacité de combat. On va plutôt prendre lui. Lui je peux pas sauter avec lui. Par contre, je peux aller agresser des aliens. En faisant ça, paf. Est-ce que je peux appuyer sur ça ou pas? Oui. Du coup c'est lui qui va avoir les bombes. Ah. C'est peut-être pas très malin que je lui donne. Paf. Voilà. Peut-être que je fasse gaffe à ça. Lui prend le radis qui pique. On va peut-être prendre les autres persos du coup. Il y a trop Astérix avec le gros Obélix. Ah, il y a un côté. Il y a un côté à l'ancienne. Ah, c'est dangereux ça. Alors, il y a des lasers partout. Balrog le fier. On peut utiliser ses flèches pour appuyer sur les boutons. D'accord, donc on va utiliser Balrog. Paf! Voilà. Très bien. Ouais, elle est là. Lui, ça sert à rien, je peux pas le buter. Use un computer. Alors oui. Comment on use? Comme ça. Paf! Et le 3? Le 3 quoi? On
on va survivre si on travaille en équipe, d'accord. Ça va le faire. Il n'y a aucune raison qu'on puisse pas travailler en équipe. D'ailleurs, je vais peut-être mettre lui en protection. Je sens que ça va faire n'importe quoi. C'est Mums, comment ça? C'est Mums. C'est pas très sympa. Pauvre Mums. Il y a un petit bouton là. D'accord, anti-gravité. Ok, je vais me faire défoncer. Donc faut que je fasse avec lui. Il a cassé le computer. Computer. Destruction. Paf. Ah non. J'ai pris un dégât. Non. Il me faut mon pote. Mon pote avec la protection. Je vais mourir du coup. Je vais peut-être le soigner. Comment je fais pour me soigner? Parce que là je suis sur les objets. Je peux pas, je suis obligé d'utiliser la bombe du coup. Je le soigne du coup. Enfin, j'en profite. Hop, lui va nous faire la protection. Voilà. Voilà, très bien. Et maintenant on va aller avec Baleog. Parce que à tous les coups il y a un truc à détruire. Ah ouais, non, mince. D'accord. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oui, on peut faire ça. Du coup, je reprends je sais pas comment il s'appelle, Olaf je crois. Paf, voilà. Comme ça, on peut les faire passer. Ouais, donc on est obligé de faire en équipe. Hein. Sinon ça marche pas. Voilà. Non, il me faut le combat. On part au combat, voilà. Paf. Paf. Et voilà. Normalement c'est bon. Et le dernier. Mais non des moindres. Et voilà. Très bien. Voilà, c'était Lost Vikings. On a un nouveau mot de passe. Donc c'est TLPT. Voilà, si vous voulez refaire la partie chez vous, que vous voulez démarrer directement à ce niveau là, vous pouvez faire TLTP. On va quitter ce jeu pour le moment. Peut-être on continuera tout à l'heure. Allez savoir. On va passer sur la suite. C'est-à-dire qu'est-ce que tu avais suggéré? Talmud's Adventure sur Mega Drive. Et après, moi, je voulais vous montrer d'autres trucs. Parce que ça m'a fait penser à d'autres jeux. Talmud's Adventure, il s'appelait Marvel Tale. Mais sinon, je pense que dans l'été, je vais le trouver. Hein. Non. Il est pas. Donc, Marvel Tale. Très bien. Marvel Land, voilà, c'est ça. C'est parti. Alors c'est un jeu Namco, ça veut dire que c'est un jeu, c'est les développeurs de Pac-Man. On va commencer dès le début. Voilà, donc je suis un petit dragon, je peux sauter. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire. Ça fait rien du tout. On peut sauter, on peut manger des sorbets. Et probablement appuyer sur des boutons, mais je sais pas comment. Ça marche pas. Peut-être faire un petit truc avec ça. Ah, il y a du temps. Je fasse attention du coup, peut-être.
La musique est très forte. Je vais faire doucement, là je sens qu'il y a un truc qui va mal se passer donc. Oh, il avait failli m'envoyer un cœur dans l'œil. Ça va pas, non, de m'envoyer autant d'amour. Ça, je sens que ça va m'envoyer dans le. Ah non, je pouvais tuer tout le monde comme ça. D'accord. Je m'attendais pas à ça. Pipipilupou. N'est pas censé pouvoir voler normalement. Je vais me faire un café, ça marchera tout de suite. T'inquiète, on est encore là pendant un moment. On a le temps. Eh ben non, je suis mort, je me suis fait piquer. Je vais mourir. Ah non, c'est bon. C'est bizarre parce que j'ai un souvenir d'avoir déjà vu ce jeu. Et dans ce jeu, me semble-t-il, normalement on peut voler. Normalement, il y a des trucs avec plein d'étoiles. Voilà, ça là, un truc comme ça. Avec des super pouvoirs. Pourquoi je suis mort du coup? J'étais invincible, c'était ça le machin là, qui s'est passé, non? Pour récupérer des ailes. Ça fait pas voler. Ça fait, je sais pas quoi. Ça fait mourir. Parce que là, le pirate, il m'a envoyé son chapeau dans la tronche. Du coup, je suis mort. Mais je comprends pas ce qui me tue là. Il y a un problème, je pense. Je pense qu'il y a un problème de compréhension du jeu. Pousser de l'autre côté, puisque visiblement, ça se passe pas bien. Esquive. Meurs. Pourquoi je meurs? Ils sont invincibles ces trucs là. Ça tourne autour de toi, mais ça tourne pas autour de moi, ça me suit. Attendez, je vais refaire parce que c'est pas normal. De se faire défoncer comme ça dès le premier niveau. Alors, j'ai mis en pause et ça a bugué le jeu. Ok, donc. Bouton de saut, d'accord. On mange les petits sorbets. Ça, je peux pas le push. Enfin, il y a marqué push. On peut pas le push. Peut-être faut manger plus de sorbet. Est-ce que je peux le push? Toujours pas. Celui-là. Celui-là je peux. Des frites! Appuyez sur B pour faire quoi? À quoi il sert le bouton B du coup? Parce que là actuellement il ne sert à rien du tout le bouton B. J'essaye des trucs hein mais. J'essaye des trucs mais ça fait que dalle. Ok, effectivement c'était ça. Faut appuyer sur B, t'avais raison. Bien vu, merci bien. Viser le milieu. Ok. Merci, merci pour l'astuce, Jérôme. Je l'avais pas. Et donc il y en a un qui nous permet de voler, c'est ça que tu nous dis. Ça me fait penser à Decap Attack aussi. Est-ce que vous avez déjà vu ce jeu, Decap Attack? Je suis mort. Ah ouais, puis c'est vraiment pas nager, hein. C'est l'horreur, il se noie directement. Hein. Il y a des chaussures en coton aussi qui n'arrêtent pas de glisser. Faut être concentré parce que les plateformes sont toutes petites. J'arrive à déclencher des ralentissements sur la Mega Drive quand même. Pour récupérer tous les trucs qui sont en bas là, c'est obligatoire. Il y a
trop de trucs pour l'air bien. Ça, je veux tout ça. Voilà les ailes et je sais pas quoi, le L là, c'est quoi, c'est un laser. Je peux voler. Faire des gros sauts et je peux voler. Je triche tout le niveau. Ah mince, du coup je fais un score nul. Non, j'ai fait un score nul. Je voulais faire un bon score mais non. Chaque fois que tu tues un ennemi, tu perds un personnage. Ah oui, avec le truc qui tournait autour de moi, effectivement. À chaque fois que je fais une utilisation du truc, ouais. Je sais pas ce que ça fait le L, mais... C'est un jeu furry, hein, quand même. Ah, donc on peut pas tuer les fourmis, visiblement. La triche, mais oui, bien sûr, je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de tricher alors que le jeu m'autorise à tricher. C'est... On l'a toujours fait, on l'a toujours fait dans tous les jeux. Si le jeu nous autorise à tricher, c'est légal. Il faut utiliser, ça fait partie du jeu, c'est légal. Faire gaffe à ça par contre. La fourmi se... Non ! Ah, la musique, ça rate la musique tout de suite hein, par contre. On va manger des sorbets. Pipoupouloupou. Le L, je sais pas ce que ça fait. Hein. C'est plein de points en fait. Voilà, doucement. C'est bon, j'ai géré. Ah non, je vais pas gérer du tout. Donne un pouvoir. Voilà. Ah non, je peux pas remonter. Tant pis. La tête de Méduse. Et on mange des glaces. Alors que c'est pas l'heure. Ni la saison. Mais c'est très marrant. Voilà. Les points. Le L, ça récupère tous les persos qui tournent autour de toi quand tu leur... Ah, d'accord. J'ai capté. Les ailes, c'est la triche. Faudrait les avoir en début de niveau. Pour tricher correctement. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Un looping, oui, le looping. Fais le looping. Il y a un truc de tête de mort. Hein. Ah, d'accord. Je voulais attraper la tête de mort, mais non. Petit James Bond, si tu veux, pour célébrer le nouveau qui sort. Ah, c'est pas idiot. Avant ça, je voulais vous montrer autre truc avant de faire James Bond et compagnie. Hein. Je voulais vous montrer El Viento et... Bon, de toute façon, j'arrive plus à rien. Je vais vous montrer les autres jeux que je voulais faire. Je voulais vous montrer El Viento. Et Marsupilami. Marsupilami. Voilà, El Viento. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais Telmix Adventure, ça m'a fait penser à El Viento. En fait, si, je crois que je sais pourquoi. Parce que quand j'étais tout petit, j'avais une cassette VHS sur laquelle j'arrêtais pas de regarder cette cassette. C'était que des jeux de Mega Drive. C'était une cassette démo de Mega Drive en fait. Et j'ai découvert plein de jeux sur la Mega Drive grâce à cette cassette. Je l'ai abîmée tellement je l'ai regardé en fait. Et il y avait notamment El Viento, il y avait également Phantasy Star, il y avait également Decap Attack, il y avait Telmix Adventure donc. Il y avait tous ces jeux là quoi. Tête de mort, faut pas la prendre. Mince, moi je voulais la prendre et voilà. Cette musique! Écoutez cette musique épique là!
Et la musique du premier niveau aussi. Voilà. Moi ça m'avait marqué. La musique de ce jeu m'avait marqué. Alors que je l'ai jamais eu en ce jeu. Maintenant je l'ai donc c'est trop cool. À la limite je pourrais le faire un jour. Enfin peut-être en entier. Et le gameplay aussi m'avait marqué. Je trouvais ça vraiment cool. Je suis en train de mourir. Normalement, il me semblait qu'il y avait un truc où on pouvait voler aussi. Mais c'est peut-être pas ce jeu-là, je confonds peut-être avec encore un autre. Aïe. Je me suis touché. Pas descendre. Écho, comment ça? C'est bien mais ça donne mal à la tête. Tu parles de école dauphin, mais non. École dauphin, c'est pas un bon jeu. École dauphin, c'est rigolo à jouer, mais tu passes un mauvais moment si tu dis tiens, je vais finir le jeu quoi. Parce que faut jamais le finir ce jeu-là en fait. C'est très bien. En fait, faut faire que le premier niveau dans école dauphin. Il y a que ça qui est rigolo à faire. Tu te dis je vais finir le jeu, là tu commences à te battre contre les aliens et c'est pas la peine quoi. Non mais l'école dauphin, jamais de la vie. Oh là là. Je vais mourir. Ah ouais c'est vrai qu'on pouvait courir aussi, attends quand j'ai fait ça. Ah oui puis on a des tours de magie aussi. Voilà c'est ça. Je cours très vite. Comme le vent. D'où le nom, El Viento. Qui veut dire le vent. On est tout le temps avec les orques à eux. Ça c'est le truc rigolo à faire dans Echo, mais Echo le seul truc qu'il y a de cool à faire c'est de faire les premiers niveaux, après c'est pas drôle. Si t'essaies de finir vraiment tu passes un mauvais moment. J'avais essayé moi une fois de le finir, je fais mais non mais c'est infinissable. Effectivement ça fait mal au crâne, en fait tu te fais tuer par la caméra, c'est la caméra qui te tue, c'est même pas les ennemis. Alors on est dans un labyrinthe, c'est vrai que c'est toujours le fun dans les jeux les labyrinthes. On kiffe bien ça. Je vais mourir. Hein. Ma vie va pas bien. Donc. Voilà, je suis mort. Et c'est le game over. Et voilà. Je voulais vous montrer ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui m'a marqué. Je sais pas pourquoi. Alors que j'y ai jamais joué. Vous aviez dit. Donc, un James Bond. J'ai vu Echo le Dauphin. On va faire un Echo le Dauphin, évidemment. Pour vous montrer à quel point c'est. N'importe quoi. GG pour Blasphemous, merci beaucoup. J'avais pas vu ton message. Merci beaucoup. Bon, on va continuer, on va chercher les trucs qui nous manquent dans Blasphemous. Du coup, Echo le Dauphin et James Bond alors. Dans quel ordre? D'abord Echo le Dauphin, ensuite le James Bond que je veux. James Bond Junior, ça vous va ou pas? Parce que je crois qu'il y en a un. De James Bond Jr. Alors en plus, Echo le Dauphin, il y en a plusieurs. Il y a les Marées du Temps et il y a Echo le Dauphin de base. Je vais mettre Echo le Dauphin pour vous montrer la purge infinie que c'est. Par contre, il y a de l'ambiance. Pour mettre en écran de veille, c'est parfait. Mais faut pas y jouer. C'est normal que tu l'aies jamais fini. Il est infinissable ce jeu. Thank you.
Alors voilà, on est un petit dauphin. C'est très poétique. On peut faire des trucs dans le... Et après on se fait capturer par les aliens. Et maintenant c'est beaucoup moins poétique. Faut aller là je crois. Bonjour. Ah oui, effectivement. Donc il me dit un truc très important. Mais je sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, il est en train de me dire que tout le monde s'est fait capturer par les aliens et que ça se passe pas bien. Et qu'il faut que je les sauve. Aïe. Alors donc déjà, premier obstacle, ça se passe pas bien. Saute ! Voilà. Il va finir en sushi. Peut-être. C'est juste c'est les aliens qui nous ont capturés. Voilà. Normalement, je peux passer de l'autre côté. Hein. Alors oui, là ça va un peu vite, mais c'est de ma faute parce que j'utilise l'accélération pour pouvoir sauter par-dessus, mais j'utilise mal. Aïe. Un petit caillou qui m'a gêné. On peut le faire. C'est bon. C'est pas bon du tout. Oh, je peux passer par en dessous normalement. Voilà. Tout ça pour aller là. Voilà, c'était ça que je voulais faire à la base. Donc on a un autre copain dauphin là-bas. À qui il faut parler. On peut agresser les méduses sans aucune raison. Parce que pour l'instant elles sont gentilles donc on peut les agresser cadeau. Mais au bout d'un moment elles vont être méchantes. Ouais, faut passer ça aussi. Parce qu'il y a les trucs avec les orques. Alors faut prendre de l'élan. Faut sauter. Alors. Les petits piquants. Maintenant faut faire attention à ça. Piquants. Voilà. Pas là non plus. Pas là non plus. Aïe! Oh, ça va, je me suis pas fait agresser par le piquant. On reste super intelligent les dauphins sur celui-là. Oui et non. Il est pas idiot, hein, puisque c'est le seul qui s'est pas fait capturer. Mais il a un pouvoir spécial. Pouvoir qu'on obtient maintenant. Voilà. Oui, je peux lui parler. Maintenant, je peux parler aux orques. Le problème, c'est qu'il parle japonais et que moi, je le parle pas. Yamete konosai, senpai! C'est à peu près tout ce qu'il me dit. Le poisson redonne de la vie. Oui, si je les graille. Voilà, donc là je récupère un pouvoir et grâce à ce pouvoir normalement je peux agresser je sais plus quoi. Un cristal je crois, un autre cristal. Je sais plus où c'est. C'est pas là. Et maintenant je vais mourir d'asphyxie parce que vous voyez là j'ai une barre d'oxygène. Voilà, maintenant j'ai récupéré de la vie. Je peux sauver Willy. Je suis pas sûr que ce soit ça. Le premier objectif. Mais ça peut compter. Ça peut être ça. Pour sauver Wheels X. Est-ce que vous savez qui est Wheels X? Aïe, aïe. Comment je regagne de la vie? Je peux manger des petits poissons. Voilà. Aïe. Oxygène, vite. Et donc là maintenant j'ai un merveilleux pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire avec ce pouvoir? Normalement il y a un cristal mais je sais plus où il est. Je crois que c'est ça, je crois qu'il y a un cristal. Voilà. 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 Salut. C'est la fin du niveau. Maintenant, commence les embrouilles.
Pardon, on peut pas aller là. Aïe, aïe. Je crois qu'il y a de l'ox... Ah non, il me semblait qu'il y avait de l'oxygène dans les trucs. Je vais mourir asphyxié. Je peux pas aller là. Je peux pas revenir. Du coup, je suis mort. Voilà. Du coup, j'ai perdu. À moins que... Non, je vais mourir asphyxié. Parce que je peux pas aller là. Et que là, je peux pas aller long. Ah si, je peux les agresser comme ça, les trucs. Je vais mourir asphyxié, du coup. À moins que je trouve de l'oxygène très rapidement. C'est bon. Non ! Il fallait pas que j'aille là. Aïe ! Vite, de l'oxygène et de la vie surtout. Il faut que je trouve des poissons pour regagner de la vie. Genre pas lui. Donc là je me fais toucher, c'est game over. Abusé. Mais ce jeu est ultra abusé en toute façon. Voilà, je suis mort. Je me suis fait tuer par la méduse pendant que j'étais en train de la tuer. Sympa hein. Là, il y avait de la vie. Les petits planctons. Voilà, c'est lui. Du coup. C'est lui là qui me dit qu'il faut que je trouve le cristal incroyable. Aïe. Je sais plus où c'était. C'est pas là. C'est là. Ah, bordel. Allez. Nage. Andouille. J'ai plus d'oxygène. Voilà. J'ai failli m'étouffer encore. Ah, j'avais visiblement pas le bon pouvoir. Qu'est-ce que je dois faire avec ça du coup? Je sais pas. Peut-être que ça me le dit en japonais, mais j'en sais rien. Je vais mourir étouffé et je vais faire manger par les bestioles. Ah ouais, c'est là qu'il fallait que j'emmène. D'accord. C'est très clair. J'ai plus d'oxygène. Vite. Vite. C'est bon. Ah ouais, je vous dis, hein, ce jeu est une purge. Je fais ce niveau là et après on change. D'accord, donc je peux pas continuer plus bas. Et donc là il m'explique comment je vais faire pour... Le jeu m'avait bien attiré mais je l'avais jamais acheté. Peut-être que je vais m'y mettre. Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Tu vas voir, hein. je te montre hein, pourquoi c'est une purge. Et encore là on est encore toujours dans les niveaux un peu cool. C'est vrai que je mange les petits poissons, mais il n'y a pas de petits poissons. Et oxygène. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien. Je vais mourir.
bip boop 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 bip boop. Oxygène c'est bon, la vie ça va pas du tout. Ah des poissons, il y a des petits poissons. Je veux les grailler. Voilà. Ça m'a l'air très compliqué. Attends, là encore ça va. En fait j'aimerais bien te montrer un... J'aimerais te montrer un... Un niveau alien. Histoire que tu comprennes ta douleur. Parce que ça c'est la vraie difficulté en fait, le niveau alien. Mais ça c'est rigolo à faire, hein, sauter dans la mer et parler avec les petits poissons. On s'amuse. Hein. Normalement il y a le truc du temps aussi là. C'était dans le 2. Je mélange peut-être. C'est pas là. Aïe. J'ai pas réussi à passer. Tada. Non. Je veux aller de l'autre côté, moi. C'est bon. On dirait peut-être pas comme ça, mais vraiment, je galère. Hein. C'est une galère à contrôler. Hein. Je peux pas aller là non plus, d'accord. Alors, je crois me souvenir qu'il y a un dauphin qui est planqué dans un truc et qu'il faut que je l'appelle en lui faisant un coup de sonar, mais il est planqué dans un mur, je crois. Bonne soirée. Il y a la haine sur Arte, ça marche. Des bisous, Nico. Merci d'être passé. Des gros bisous. Repose-toi bien. Je vais mettre des difficultés, mais là c'est trop chaud. Bah là, c'est surtout difficilement jouable en fait. C'est pas tant de la difficulté, genre c'est du challenge parce que c'est dur à tuer. C'est vraiment tu te bats contre les caméras, tu te bats contre des ennemis qui sont en dehors de l'écran, enfin tu te bats contre plein de choses ingérables en fait. Et la maniabilité du perso aussi, hein. Parce que là vous voyez pas comment je galère en fait à faire ma diagonale là. Je cherche le jeu là. Je crois qu'il y a un endroit où il y a un truc secret, où il y a un caillou. Je me souviens d'un truc où un moment où il y a un caillou qu'il faut transporter parce que ça nous permet de nager à contre-courant. Voilà ça. Voilà, je me souvenais de ça là, le truc à contre-courant. Cette grosse blague. Non. Et le caillou, évidemment, il est plus là. Comment je me fais revenir? Je refasse le saut dans l'autre sens. Des trucs, hein. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Et du coup, comme c'est pas le bon chemin, faut repartir du début.
C'est le truc qui est fun avec ce jeu. C'est le truc qui est trop 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 fun. Faut vraiment pas que je lâche le caillou. Si je lâche le caillou, c'est perdu. C'est bon, c'est passé. Merde, j'ai pas le pouvoir. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Parce que j'ai pas trouvé le pouvoir. Alors que le pouvoir, il est là. D'accord. Donc on refait tout. Mais j'ai déjà plus d'oxygène. J'aimerais vous montrer un niveau alien. La purge que c'est. Ça passe. Voilà, c'est bon. On va manger les petits poissons parce que j'ai déjà plus beaucoup de vie. Ok. Oh, le pouvoir, c'est bon. Maintenant, l'oxygène, il me manque. Est-ce que vous croyez qu'ils auraient pu me mettre un truc d'oxygène pour éviter que je meure de décès? Bah non. D'accord. Là, y'a rien. Là, je vais mourir asphyxié. Voilà, je suis mort asphyxié. Génial. Bon, on va pas continuer sur École Dauphin, c'est beaucoup trop galère. Peut-être. Attends, attendez. Je vais tester un truc avant pour vous. Parce que la souffrance. Donc, école dauphin, c'est ça que je cherche. Je cherche les codes. Le code sur, genre... Attendez. On va essayer un truc. Je vous montre ça. Je vous montre le boss de fin. Parce qu'il y a, 20, il y a 33 niveaux. Là, on était au niveau 3. Ce que j'ai compris. 3 ou 4, je sais pas. Il y a un truc avec un mot de passe. Voilà, c'est là. Je vais vous montrer le boss de fin. Histoire de rigoler. Ça a pas marché. Attendez, j'ai pas le bon j'ai pas la bonne plateforme. Excusez-moi, je me suis trompé de plateforme. Mega Drive. Ça. Merci Melkatt pour le like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Alors, elle. Je me suis planté. Le L, il est là. L, voilà. M. Voilà. Pardon ? Mais si, c'est ça. Under Cave Secrets.
Attends, comme des machines. Alors attendez, je vais tester un autre truc. C'est là. Je comprends pas, je suis sur la bonne... sur le bon truc normalement. Ça va, et puis toi? La forme? Sur Genesis. In the game of the left. Right, ok. Art pose. Il faut que je fasse une nouvelle partie du coup pour faire ça. Ça c'est mort, ça c'est invincibilité, on s'en fout. Je vais tester un autre truc. Pas, y a rien qui marche, y a aucun mot de passe que j'ai pu trouver qui fonctionne. Pour que ça m'ennuie. Pourquoi les gens sont pas capables de mettre les vrais codes? Ça marche toujours pas, c'est un truc de dingue. Y a pas un seul des codes qui fonctionne. Un truc de fou. Attendez. On continue de chercher. Il y a un truc aussi là. Ok, donc là déjà on peut mettre pause, très bien. Voilà. Donc là j'ai débloqué un truc. Est-ce que je peux me... Non, je peux rien changer. Ça, donc c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Et là, j'ai quoi? Stage number. Ah. Tac. Voilà. Voilà le genre de galère qu'on peut avoir. Voilà. Le genre de niveau dans lequel on peut se retrouver. Mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. Moi, je m'en souviens d'un autre. Attendez. Comment j'ai fait tout à l'heure? C'est École Mytho. Je crois que c'est celui-là le pire. Celui-là, il est bien galère. Voilà. Parce que là, tout ce niveau-là, en fait, c'est la caméra qui te tue. Voilà, je suis mort. Ça c'est folle. J'ai pleuré là-dessus. Des larmes de sang. C'est pas le bon endroit. Normalement, je peux changer la musique aussi.
Je sais plus. Alors il faut réussir à survivre à la caméra et tuer l'alien. On dirait alien, mais oui, parce que c'est justement, c'est très très inspiré. Je peux pas le tuer. Je peux même pas le tuer, l'alien. Ouais, la difficulté débile de ce jeu. Ça n'a aucun sens. Je peux pas le tuer parce qu'il prend pas de dégâts. Le jeu n'est pas finissable. Pas par un humain. Voilà. Dès qu'il me touche, c'est game over. Voilà, inesquivable. Je suis bloqué. Je veux pas faire ce niveau. Adieu. Voilà, c'était là. C'était dans... Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Le passage en fait. Où est-ce qu'il est? Il est caché. Il est caché par la caméra. Il est là le passage. Il est là le passage. C'est insupportable. Là, j'ai perdu déjà. Au secours! Putain. Injouable. C'est injouable. Bon, bref, j'en ai marre. C'est Call Dauphin, c'est injouable. Ne jouez pas à ce jeu. C'est rigolo sur le premier niveau, mais ça s'arrête là, en fait. Bon, et ensuite, vous aviez dit, parce qu'il y a le nouveau James Bond qui est sorti, il faut qu'on fasse un James Bond. Celui que je voulais. Comme moi, j'aime pas faire les trucs comme tout le monde. Merde, j'ai pas celui que je voulais. Je vais mettre celui-là, du coup. On va mettre James Bond Mega Drive. C'est en mercredi, voilà, c'est ça. C'est pour faire... Enfin, la musique. C'est pas moi qui joue, là. C'est parti. J'ai vraiment pas hâte, je comprends. Alors le saut, on va le mettre là. Ok, c'est cette grenade, ça me plaît pas. Deux, ça me plaît plus. Et la grenade là, oui, ça c'est mieux. C'est parti. Il fait des sacrés sauts, John. Est-ce que j'ai des munitions illimitées ou pas? On va dire que oui. Mince, je voulais tuer la fille. Sacré, c'est quoi ce cri? Ah! Heureusement, je vis longtemps. Quand il descend les escaliers, ça m'éclate. Ouvrir la porte. Les mecs, on dirait des laitiers quand même. Hein. Faut pas le tuer là. Ah, il y a des dégâts de chute.
Je me suis pris un sous-marin sur la tronche. Tout va bien. Ça fait pas mal. Faut aller là-dedans, quoi. Aïe. C'est ma réponse. Je peux me planquer, je crois, dans un... C'est ça. C'est que je peux me planquer dans le truc. Comme ça, hop, surprise. Sauf que là, c'est lui qui m'a eu. Game over. De bons et de mauvais souvenirs sur ce jeu, oui. Là déjà, ça commence pas bien les souvenirs. Oh là là. Je devrais pouvoir tuer le bonhomme qui était là-haut là. Je sais pas comment mais. Oh là là mais. Vraiment je suis obligé de prendre ce dégât là. Je me suis écrasé comme un vieux caca. Ça rigole pas hein. Le Golden Eye 64 est plus facile à jouer. Étrangement. Très chaud du coup. Voilà. Et l'autre, celui de là-haut, je sais pas comment faire du coup. Parce qu'il. Vu les allers-retours qu'il fait, je pourrais en faire que ça. En fait, je suis obligé de prendre le dégât. Et après, je fais un saut. Supérieur avant et je meurs. Alors, ah ouais, je peux descendre comme ça, d'accord. Je savais pas. Adieu. C'était prévu en fait. Non, 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 les requins. Ah. Oh là là, il m'a bien attendu. Je veux rattraper ça. Ah non, c'était une bombe. D'accord. Je peux pas utiliser des bombes d'ailleurs à ce sujet. Apparemment pas. Oh là là! A chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un pont, un truc, mais. Descendre dès le début pour sauver la fille. Voilà. Ah, tu veux dire, mais comme je l'ai fait, ça marchait aussi. On pourrait faire ça aussi, hein. Juste me jeter dans la flotte et m'agripper. Ça a marché parce que là non 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 aïe 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 on va faire comme tu dis comme un vrai agent secret on va pas mouiller notre costume quand même. Voilà. Mais il veut pas s'accrocher. C'est un truc de dingue. Là il y a ça donc qui va me tomber sur le coin de la tronche. On va le faire tranquillement mais
sais déjà qu'il va me tomber sur le coin de la tronche. Voilà. Je sais pas comment l'éviter du coup. Faut pas. Ça c'est pas terrible, ouais. 3. Si avec ça. Mais même la manière de tirer, c'est... Je recharge. Il est en train de recharger. Qu'est-ce qui m'a touché? Pourquoi? Il sort d'où lui? D'accord. Il m'a touché quand même? J'ai peur. Dans tous les sens, hein. On sait jamais. Ok, la dernière elle est là. Trouvez la bombe. Non, c'est une bombe maintenant. Elle est là la bombe, ça va. Trouvez la sortie. La sortie. Ça la sortie. Ah non, non, non. Oh là là, oh. Oh, il m'a fait tellement mal. J'ai pas pu m'accrocher. C'est bon. Par contre, 34 secondes, ça se passe pas bien. Je suis bloqué là, d'accord. Bon bah, game over. C'est pas possible. Même si je speedrun. Ah, je suis mort. Pas très bien. Oh là là, pas ça que je voulais faire. D'accord. Et donc il est invincible, c'est ça l'idée. Oh, c'était les escaliers tirant en diagonale lui. Ah ouais, bien vu. C'est incontrôlable. Vous vous rendez pas compte en fait. La galère que c'est, c'est une galère de fou à contrôler. Il a pas voulu descendre. On termine sur un succès au moins. Exit. C'est bon. Ouh. Eh ben, c'est que le premier niveau, mais c'est une galère.
Alors j'essaie de retrouver vos messages. Ah, il y a même un qui me demandait si j'étais en repos ce week-end. Non, je ne suis jamais en repos les week-ends. Tout le temps, je travaille. Tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas du repos, où j'ai pas du travail à faire. Voilà. La musique est cool. C'est dommage que le jeu soit incontrôlable. Parce que les musiques sont sympas. Là, je peux rien faire du coup. Ça, je peux pas. Ouais, c'est juste pour me planquer ça. Je peux rien faire. Attendez, il y a une galère quelque part là. Lui, il arrive d'où là? Ah, on peut passer derrière. Il allait où du coup? S'il y a des piquants, c'était quoi son objectif? Saute! C'est un job. Très bien, c'était James Bond sur Mega Drive. Est-ce que vous voulez voir vite fait, lors des 5 dernières minutes, est-ce que vous voulez un jeu en particulier que vous voudriez voir avant qu'on aille qu'on aille se coucher? Un jeu sympa mais difficile à jouer, je l'avais fini après plusieurs essais à l'époque. Ouais. En trichant, ça doit pouvoir le faire. Alors, il y a un jeu, du coup, je vois marqué Izzy, il y a un jeu qui s'appelait Fantastic Izzy, je sais plus quoi. Ça là, ce jeu là, je vais mettre ça du coup. Ce jeu là, je suis perturbé parce que de souvenir, il faut trouver des objets qu'il faut emmener à droite et à gauche et c'est ultra long. Je sais plus s'il y avait une sauvegarde, je sais plus comment on faisait. Faut ramasser des trucs. Faut ramasser un milliard de trucs, mais on n'a pas accès aux sauvegardes, je crois. Faut que je fasse gaffe aussi à pas tomber de trop haut, parce que si je tombe de trop haut, c'est la mort, il me semble. Voilà. Donc, faut prendre des objets, les utiliser à bon escient à certains endroits. Mais on sait pas à l'avance. Ça m'avait perturbé ce jeu. Parce que je crois qu'il y a énormément de contenu. Mais que on sait pas comment faire. J'ai utilisé le bout de bois là. J'avais pas ramassé un bout de bois. Lui, il a besoin d'une clé, non? Pas du tout. Alors, vous êtes au pied du village secret de Yorkshire portant sur la clé de l'ascenseur de Denzil, la clé de l'ascenseur du rez-de-chaussée. Lui, il me bloque l'échelle, du coup. Il y a plein de trucs à ramasser, c'est la folie. Lui, je crois qu'il me bute. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai plus de vie, là. La clé de l'ascenseur. Je sais pas si ça me tue ou pas. Est-ce que je peux passer en dessous? Non, évidemment que non. Ou un moyen de passer lui. Ah, le jambon. Le jambon, forcément. Je reste dans l'araignée, mais quel débile. Non, mais c'est le jambon.
Et on n'a pas beaucoup de vie. Vous voyez, ça a l'air d'être extrêmement complet, mais... C'est le jambon, c'est sûr. Donne le jambon. Non, il n'a pas voulu donner le jambon. Je suis censé pouvoir descendre. Voilà. Là, je peux pas passer. Ou c'est bizarre parce que je me souviens être allé beaucoup plus loin que ça. Hein. Je sais pas comment, mais lui, c'est lui le jambon. Pas du tout. Jambon, du coup. Un jambon cuit bien tendre. Ok, c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme info. Et là, c'est la mort. Non. C'est peut-être ça le problème. Ah, il m'a éclaté. Voilà. Le jambon, c'était sur le... C'est sur lui, du coup. D'accord. Et là, c'est la mort. Parce que je suis mortel. Et donc, game over. Et donc, si game over, ça veut dire il faut tout recommencer depuis le début. Donc, grosse galère. Parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Je sais pas si c'est clair. Ah, on s'en fiche. Voilà. Le bout de bois, je l'avais utilisé sur quoi? Je sais même plus. Aïe. Pas sur lui, hein. Non, j'avais dû le poser en fait. Pourquoi j'ai pris un dégât? Ah, j'ai marché dans les flammes, c'est sérieux, c'est ça? Alors attendez, j'ai la clé de l'ascenseur. Donc, normalement, utiliser la clé de l'ascenseur. Pas la bonne clé. C'était cette clé là. Voilà. Le bout de bois. On va le mettre là. Voilà. C'est pas du tout bien dur. C'est la mort là. Il y a des trucs, je crois, on peut mourir. Hein. La bonne clé. On va chercher. Ça va être celle-là du coup. Peut-être pas du coup. Y a pas besoin de clé pour ce truc là, vraiment. Vraiment. Et j'ai pas la bonne clé. Je peux pas aller autre part, d'accord. On va leur fouiller du coup. Vraiment, vraiment galère. Ah, et puis je suis obligé de laisser des objets du coup. J'en ai déjà trois.
D'accord, donc là la clé, ok, je crois savoir. La clé à molette, du coup elle va en bas là. Sur l'ascenseur, sur le truc de l'ascenseur. Même les papillons essaient de me tuer. Hein. Ah oui, bien sûr. Champignons, il faut le ramasser. Ça, je peux le réparer ou pas? Champignons. Clé. Clé à molette. Clé à molette. Ça marche. Champignons. D'autres trucs ou pas? Clé. C'est, j'ai dû réparer l'ascenseur qui est là-bas. On va dire que c'est ça. Et donc, du coup, maintenant. Voilà, c'est ça, j'ai réparé. Et là, c'est la mort. Non, c'est bon. Oh non, un oiseau! Est-ce qu'il y avait encore des trucs de l'autre côté? Faut que je fasse un truc là. D'accord. J'ai pas le bon putain, j'ai pas le bon objet. Il va falloir que je revienne avec le bon objet. Et très probablement un bâton de dynamite. Le bon objet. Non, je vois pas. Et j'ai été voir ce qu'il y avait tout à gauche là, vu qu'il y avait un. Il y avait un truc de. Il y avait un chariot, non? Chariot de mine. J'ai rêvé. Panneau exit, mais je peux rien faire. Urquhart! On peut pas aller dans le panneau exit. Là, j'avais pas été voir. Je reste concentré. Hein. Gauche. Exit, il y avait marqué. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'il y avait encore des trucs à droite. Ah oui, c'est ça, donc le exit. En fait, c'est une sortie. C'est la sortie du truc de la mine. Ah, je suis mort. J'avais même pas fait gaffe. Faut vraiment que je joue mieux, en fait. Alors que là, je fais vraiment aucun effort. Je vais essayer de, du coup, vu qu'il y avait un exit, d'aller là où il n'y avait pas le exit. Maintenant, sans les étoiles, ça va être compliqué. Pardon. Ça va.
pour rester concentré, mais ça va. Y a pas d'étoile de l'autre côté. On aurait pu s'en sortir quand même, mais il y avait pas d'étoile, donc ça servait à rien. Droite. J'ai vu à la fin. Non, j'ai pas pris le bon chemin. Diantre. Là, je joue à la chance là. Ouais. Je joue beaucoup trop de trucs à la chance là. Ça va pas ça. Donc en gros, faudra refaire tout le chemin pour une seule étoile. Parce que visiblement, on est obligé de les choper toutes, les étoiles. Ça aussi, je le fais à la chance, là. Et voilà, là, par exemple, là, la chance a indiqué que c'était pas le bon. Il y a une deuxième étoile à choper. Et voilà. Bon, il y a deux étoiles encore dans le train de la mine. Pas ouf. Et j'ai pas pris l'objet. Je pouvais pas le prendre de toute façon. J'ai plus la place. Tellement de trucs. Enfin, c'est trop long. Je comprends pas qu'il y ait pas un système de sauvegarde en fait. Parce que il est vraiment long ce jeu en fait. T'es vraiment obligé de le faire d'une traite. Je suis même pas certain qu'on puisse le récupérer comme ça. Pas utiliser la celle-ci, bien sûr, je peux toujours tricher, mais. Mince. Il m'a tué ou pas? Non. Lui il veut quoi? Il veut un haricot apparemment. Donc, je lui donne mon haricot. Mais j'ai pas de haricot. Je vais lui donner mon champignon s'il veut. Voilà. Je suis mort. Si on peut le faire à la save state, mais ça normalement à la base tu joues sur Mega Drive et que t'as pas de sauvegarde en fait. T'as pas de save state. Tu te débrouilles avec le peu que tu possèdes. Là il y a une banane. Voilà comment t'es censé jouer. Et tout agresse, hein. Même le petit poisson là. Petit oiseau. Pas du tout un poisson. Voilà, ça le petit oiseau là il te bute. Hein. Là j'imagine qu'on peut on peut grandir en mettant le bon objet ici. Hein. Marche pas. J'imagine qu'on doit pouvoir faire pousser un truc et que ça nous fait aller chercher l'étoile qui est là-haut. Ainsi que la clé. Mais bon. Je ne sais pas. Et je reste planté là. Où ça m'emmène où là? D'accord, ça m'a fait. Pas du tout. Je pense que je me noie si je vais là. Et puis il faut que je prenne tous les chemins aussi pour aller chercher des étoiles. Je vais pas rentrer là-dedans. Et qu'est-ce que je peux faire avec ce truc qui est là? Ah, c'est des mini-jeux. Musique, incroyable musique. Ah c'est les push-push. Attendez, il y a des coins. Je suis débile du coup, je suis en train de faire n'importe quoi. Il y a des coins, ça c'est un coin. Où ça va là? Ça c'est pas au bon endroit.
Les autres coins. Ça. Ok, beaucoup mieux. Ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Là aussi. Ça me plaît bien ce jeu. Il est rigolo, mais c'est très long et très dur. C'est ça qui fait que t'aimes. Sors la clepsydre! T'as plus le temps! Ça. C'est peut-être pour ça qu'il te plaît. Hein. Peut-être que tu aimes les aimes longs et durs. Hein. Les jeux. Parce que là, du coup. J'ai fait ce passage-là déjà, et là je suis mort, voilà, game over. Ah non, j'avais regagné une vie. D'accord. J'avais regagné une vie. Tu dois pouvoir le tester celui-là, tu dois l'avoir, hein, je pense, KTT. Il s'appelle Fantastic Dizzy. Et là, faut certainement utiliser un objet. Que je vais pas avoir et donc du coup je suis Keblo là. C'est ça, j'ai pas le bon objet. Donc ça veut dire qu'il faudra revenir quand on aura trouvé le bon objet. C'est-à-dire jamais. Je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas. Regardez, j'aime bien l'ambiance. Parle de quoi? De ce jeu là? Ouais. Mais j'aimais bien ce jeu là aussi. Mais je l'avais en plus, c'est ça le pire. C'est que je l'avais sur Mega Drive. Mais j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Je sais même pas, je suis même pas sûr d'être allé jusque là en fait. Ah là, il y a trop d'objets. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Tu veux mon champignon? Tu veux ma clé à molette? Tu veux mon tonneau de bière? Il veut rien. Enfin, il veut rien de ce que je possède. Tant pis. Pareil, faut revenir avec l'objet qui va bien, mais je sais pas lequel. Bref, on va s'arrêter là. Il est 10h moins le quart. On a fait largement plus que le temps prévu. Voilà, donc ce jeu s'appelle Fantastic Dizzy si il vous plaît. Que vous dire de plus? Ben voilà, ça va être tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30, 21h30 pour les suggestions rétro. Si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, la-console-rétro.fr. Utilisez le code promo J10JAY10 pour avoir 10% de remise sur votre commande et vous aurez la même console que moi, donc avec tous les jeux, toutes les consoles. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Comme d'habitude, des gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao !